Il est sorti de chez lui comme d'habitude, vers 4 heures de l'après-midi. Il a traversé la route et il est allé dire bonjour au garagiste d'en face. Il a bavardé quelques minutes avec l'apprenti mécanicien, puis il est parti vers le restaurant du village, en marchant lentement, en saluant les gens. Il allait jouer aux cartes avec ses contemporains. Depuis qu'ils avaient pris leur retraite, ils buvaient ensemble l'apéro et ils se racontaient des blagues qui étaient parfois cochonnes, et le patron les aimait bien, surtout quand ils étaient en train de parler politique. Il habitait avec sa femme dans leur maison qu'ils avaient construite quelques mois après leur mariage. Leur fille unique était enseignante au collège. Elle habitait avec son mari et leur fille dans le village voisin. Ils occupaient en 4 pièces qu'ils louaient. Il était connu de tout le monde et il connaissait tous les habitants du village. Il avait travaillé comme magasinier au dépôt des chemins de fer de la région. Il faisait beau et il allait rejoindre ses amis au bistrot. Oui, bien sûr que je l'ai vu. Il s'est arrêté devant ma vitrine. Il fumait sa pipe et il m'a fait signe de la tête avec son grand sourire. Non, il n'est pas entré. Il est parti après quelques minutes. Il m'a salué à travers la vitre. Il a enlevé sa casquette et il m'a dit au revoir. Ils étaient 5 à jouer aux cartes. Et il y avait toujours l'un d'eux qu'il surnommait la réserve parce qu'il devait attendre son tour au carton. Sa femme avait été femme au foyer. Elle rigolait chaque fois lorsqu'il était en train de se préparer pour sa sortie. Elle disait, va voir tes fusiliers de montagne, moi je t'attends avec le repas prêt. Je t'attends pour 7 heures. Il avait travaillé 44 ans dans la même entreprise. Il avait commencé comme poseur de rails et il était fier de sa petite famille. Il a marché jusqu'au carrefour du centre et il n'est pas entré au restaurant. Il est allé vers la sortie du village. Il disait aux gens qu'il se promenait, qu'il faisait beau et qu'il allait faire un tour dans la forêt. Tu le connais depuis que tu es petit. Tu habitais à 3 maisons de la sienne. Tu as grandi en le croisant plusieurs fois par semaine. Parfois, il venait boire un verre de blanc avec ton grand-père, chez qui tu jouais dans le jardin pendant qu'il te gardait quelques heures chez lui. Une fois, il t'avait donné une toupie. Tu as gardé ce jouet et tu l'as donné à ton fils, qui a maintenant 10 ans. C'était une toupie en métal et il l'avait faite lui-même dans les ateliers des chemins de fer de la région. Il t'avait dit qu'il avait 2 toupies, une pour sa fille et une pour toi. Tu es né en 67. Sa fille est née en 63. Il est passé devant la vigne de la commune. Et il n'a pas pris le chemin de la forêt. Il est allé vers la route cantonale. Il a marché sur le trottoir qui n'est pas bordé par des arbres. Il est sorti du village. Non, je ne crois pas qu'il était malade. Il était en forme. Il venait de couper les rosiers qui entourent sa maison. Il a les plus beaux rosiers du village. Il a pris à travers champs. Il a marché 3 quarts d'heure et il est monté sur le pont des chemins de fer. Il est allé se cacher derrière un pilier métallique. Il regardait sa montre. Il a dû attendre quelques minutes.
Quand le train régional est entré sur le pont, il s'est couché à travers les rails. Le mécanicien a freiné, mais le train lui est passé dessus. Sa tête est tombée dans la rivière, son corps écrasé est resté sur le pont. C'était le train avec lequel les gymnasiens rentrent à la maison après l'école. Il y a des gens qui font la navette avec ce petit train. Parfois, il y a des touristes qui le prennent et ils changent de train plus loin pour aller au château. Ils ont dû fermer la ligne pendant plusieurs heures. Le train a reculé de 20 ou 30 mètres. Ils ont cherché sa tête dans la rivière. Ils ont eu de la chance parce que l'eau était basse ce printemps. Il portait son costume habituel, le noir. Il avait sa chemise à carreaux. Certains enfants se sont approchés pour voir le désastre. Le mécanicien, le policier et les ambulanciers leur disaient de partir. Sa femme avait sorti le poisson du frigo. Elle pensait le faire avec du riz. Ses copains l'attendaient au bistrot où le patron rigolait en disant « La réserve n'est pas là. Vive la réserve !» Ils n'ont pas trouvé de lettre sur lui. C'est le notaire de la capitale qui était le seul au courant que le vieux et la vieille devaient quitter leur maison qui avait été vendue par leur fille. C'est son mari à elle qui l'avait d'abord convaincu de dire à son père de mettre la maison sous son nom, puis de la vendre. Il disait, ils vont aller dans une maison de retraite et c'est bon. Celui qui a trouvé sa tête dans l'eau, je peux te dire qu'il a eu du courage. Il a trouvé un peu en aval du pont. Il a dit qu'elle émergeait à peine et qu'elle bougeait lentement sous les flots. Sa femme a déménagé chez sa fille et à la fin du mois, les nouveaux propriétaires sont venus s'installer dans la maison des rosiers. Ils sont là depuis presque 2 ans, et personne du village n'a osé leur parler du vieux. Mmh.